Grenade, grenade. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade. Attention, les jeunes. 40 Mike. La rouge ? Ah, je l'ai aussi, celle-là. En plus, c'est sot de mettre ça dans les bâtiments, en gros. On peut pas ? À l'extérieur, mais pas dans les bâtiments, hein. Vous êtes dingue, faut pas faire ça, hein. Au moins, ça fait un beau bruit. Ouais. Welcome to the wonderful world of Airsoft. Hey, what's up guys? You join me today on the Infantry 44 field in Belgium. Today I'm gonna try the Orin from Bravo Factory. The Orin is a high-end custom replica. It basically means the only replica you need. Quick screen change, insane reactivity, outstanding range. They worked for 2 years to elaborate this beast, and you can now grab one of them. All the info are in the description below. Oh my god. This is the greatest day of my fucking life. Ow! Ow! Hit! Yes! Yes, that was so awesome! Günther, ja? Tu es toujours là? Ja, on est bien. Bonjour. Bonjour. Allez. Alors bonjour, je m'appelle Günther, je suis né en 1926 et maintenant je suis sur le front de l'Ouest. Ça merde un peu, donc maman si tu vois ça je t'aime, d'accord? Moi. Je savais pas tout couvrir. Il y a du monde au balcon ? Dans le bâtiment. Ça pousse au bout sur la gauche. Là-bas, là-bas, ça traverse. Bâtiment de gauche, il y a. Bâtiment central, les gars. Ouais, ça a poussé là-bas. Ça arrive en masse au milieu là. Ah mais les gars, c'est bien. Out. Bonne partie. C'est bête. Non. Quelqu'un qui t'a tiré une bille vraiment? Ouais. Moi, Thank you.
The next game mode is kinda similar to Rush in Battlefield. The objective is to defend our base from the enemy attack and moving back each time we lose it. Attack team have unlimited life and defend team have only one life. Hey, t'as pris, hein? Ouais. Tu l'as eu? Fameuse branlée d'ennemis. Et lui, il joue? Ouais, il joue. La terre haute! Ah, je peux pas tirer d'ici! De Jim. Apparemment il faut aller là-dedans. On est obligé d'aller dedans. Et gros, on est 50, on va faire 50 dedans. On doit rester dans le bâtiment. On peut aller plus loin. Ouais. Parce qu'on était là sur le côté et on nous a dit que c'était trop loin. C'est défendre ici. On pète autour. S'ils arrivent dans le bâtiment qu'ils voient qu'il n'y a personne, ils peuvent traquer plus gêné, c'est perdu. Donc je peux prendre le bâtiment là-bas. Mais j'étais dedans, on m'a dit de revenir ici. Ah non, putain. Jim. Jim. Bah ouais. S'ils arrivent ici, qu'il y a personne, on traite le sujet, c'est pas. Ah ouais. Ok. Bon bah. Parce qu'on était là, on nous a dit non, on pouvait pas. Et je viens de demander à leur gars, il me dit bah si, tu peux. Jimmy. Allez. On peut aller là-bas. On peut aller. Bah ouais, je vais demander à leur gars. My wall team defending from the main building, so I decide to move there to stop the enemy attack. J'ai demandé à leur gars, on peut. Oui, dans la tour. Reste vraiment aux alentours de la base, parce que ça fait loin et après c'est une sorte de programme. Ça va. Well, that's it for today, guys. Thanks for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to not taking yourself too seriously, or you definitely go insane in this kind of situation. So, I hope you enjoyed this video, and I see you in the next one.